qui me va courir le prix Guillaume d'Ornano ici. C'est vraiment la course que je veux gagner avec lui. Et après, on choisira l'option Niel et Arc ou rester sur 2000 mètres, on verra tout ça. Il pourrait aller sur 2004, faire un essai. Voilà. Bon, il va très bien, il a bien pris sa course. Là, c'est plus compliqué. À partir du moment où, pour l'instant, rester sur 16, on n'a pas de choix de course. Le Marois, pour moi, c'est un peu dur pour lui. Mais pour l'instant, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre en vue, donc on verra. On verra en temps utile s'il est très bien, que la piste est souple. On courra pour une place. Après, il aura un programme plus. Mieux après, là, avec le Moulin de Longchamp. Il faut voir s'il a le niveau d'un groupe 1, on espère. Parce qu'il a un papier pour être étalon. Il faut qu'il gagne un groupe 1 dans sa vie. On subit tout ça, hein, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Peut-être que l'an prochain, on n'aura pas un mâle de 3 ans qui pourra gagner un groupe. Et qu'on aura 3-4 pouliches. Ou on n'aura rien du tout. Mais bon. Non, mais là, faut rester placide et puis tranquille. On prend selon l'effectif qu'on a. On essaie de formater des chevaux pour qu'ils deviennent des chevaux de groupe. En prenant notre temps, là en ce moment on ne court pas beaucoup de 2 ans par rapport au nombre qu'on a. On a un lot plutôt tardif, plutôt à mes yeux, voilà, peut-être plus moyen que l'année dernière. On espère des révélations à l'automne. On l'aborde de façon différente par rapport à l'époque où on avait tous les chevaux à peau. Où là vraiment on préparait de loin, de loin, de loin. Là on prépare sans préparer. On reste un peu ventre mou le mois de juillet quand même. Pour garder des chevaux que pour ça, oui. Bah, ça, c'est un objectif de saison. En principe ça se passe bien. On va débuter pas mal de 2 ans. Voilà. Tous ces bons chevaux vont recourir, l'assaut va recourir, Alakim va recourir, Yukata va courir le prix psyché en principe, Zelda va être bien pour ça, elle n'est pas fatiguée de son printemps. Non, on va avoir des chevaux, mais oui, on est sur place, c'est quand même un mois qu'on privilégie pour avoir beaucoup de partants et essayer d'avoir un maximum, sachant que la fin de saison elle est très, très rapide. Hein. Après, dès qu'on a passé Deauville, on a un mois pour préparer le week-end de l'Arc et puis après c'est fini quasiment.